Je regarde Gambine Parati à la télé. Aujourd'hui, je t'ai pas élevé comme ça. À qui la faute si je suis obligée de mentir? Qu'est-ce qu'il faisait ce soir au spectacle? Comme tout le monde, il est venu écouter de la musique. Il a le droit, non? Et ça, il a le droit de faire ça? Il respecte même pas les bonnes manières. Je vais lui donner une leçon puisque son père est pas capable de le faire. Non, papa, attends. Je te promets, j'irai rendre sa bague. Mais laisse-le. S'il te plaît, ne lui fais rien. Mais non, laisse-la tranquille, Gabriel. C'est bon, ça suffit pour aujourd'hui. Vas-y, peut-être qu'elle écoutera plus sa porte que son père. T'inquiète pas, il va se calmer. Il faut jamais perdre espoir. Puis demain, il fera jour. Si tu savais comme il a fallu que je me batte pour l'épouser, celui-là. Ça va être froid. J'ai pas faim. Tu te rends compte, moi j'ai pas faim. Je dois être malade. Vous avez attrapé un virus. Et il s'appellerait pas Rosie, ton virus? Non. Allez, mon cœur. Dis-toi que c'est comme un enfant qui quitte la maison, hein? Qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça. Allez, une petite tranchounette. C'est du canard? Avec plein de crème. C'est quoi? Mais 10 heures de sommeil. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige dans 10 heures. Et de préférence, d'affilée. Alors vous allez dire à vos gitans que s'ils continuent à jouer de la guitare à ce temps-là, le vrai Parizeau va se réveiller. Et là, j'aurai conclu de rien. Une fatigue. Surtout qui râle, mais tellement beau que... Merci. Asseyez-vous, Tom. Ah, c'est gentil. Tu cherches quelque chose? Une bague, très précieuse. Elle ressemble à quoi?
De toute façon, on pourra jamais la retrouver. Et puis, c'est ridicule de croire qu'on pourrait être ensemble. Hé, calme-toi. L'amour, ça doit rendre heureux. Si ton père veut pas comprendre, va falloir le forcer un peu. Ça va aller. Et puis, tu sais, c'est à toi de décider de ce que va être ta vie. T'es assez grande, maintenant. Il va falloir que ton père se mette en tête que cette histoire, c'est du sérieux. T'es pas la première et t'es pas la dernière à qui ça arrive. Si t'as besoin de parler, tu sais où me trouver. C'est pas ça que tu cherches? Merci. Merci. Chaque fois que je joue, c'est pour elle. Josefa, ma femme, elle nous écoute de là-haut. Ah, je suis désolé, je savais pas. Non, c'est pas grave. Mais j'ai du mal à l'oublier, sa main lui ressemble tellement. C'est vrai qu'elle est ravissante, hein? Ouais. Et comme sa mère, c'est une tête de mule. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir un sacré caractère. Oh, je sais. Mais seule sur les routes.